Bonjour à tous et à tous, ici Oxydor, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une super hardcore day, c'est pas le début. On n'a pas encore commencé, donc on va pas faire le dégueulasse, il faut attendre le go de l'admin. Oui, on va faire un super hostile, comme je pense que vous connaissez le 3 quarts, le Kill the Patrick. On m'a proposé de faire une partie de ça, donc je me suis dit pourquoi pas, et en même temps je vais filmer. Donc voilà, on va voir qu'est-ce que ça va donner. Hier on a fait une petite partie de test. On a fait une petite partie test et au moins dans la partie test j'avais gagné. Là je sais pas si j'ai la gagné. Dire dans la partie test on était 4 et là on est 8, donc voilà. Vous pouvez voir qu'on a 10 de cœur, donc ça se divise quand on perd un petit cœur, un demi cœur quoi, c'est ça tombe à 9,5, etc. etc. J'espère qu'il va reset le jour parce que sinon oui tout le monde est prêt. Oui, donc tout le monde est prêt. On va pouvoir commencer et commencer à caser les trucs. Voilà, go! Donc on va vite récupérer rapidement, c'est des pommes, parce que les pommes c'est la vie dans ce jeu. Parce que je pense que vous connaissez donc les règles du super hardcore, c'est en fait, vous êtes en super hardcore, le seul moyen de régénérer votre vie, c'est soit en faisant des potions, ou soit en faisant, ou soit se nourrissant avec des, comment ça s'appelle encore, des pommes d'or, voilà. Donc je vais me récolter... 10 petits pois. Pour commencer je vais casser deux arbres comme ça. Puis je vais rapidement me faire une petite pioche pour aller récolter. Là j'ai vu que j'avais des vaches à côté, donc j'ai eu un bon spawn. J'ai des vaches, des canastriques pour savoir me faire une table d'enchantement après. C'est magnifique. Donc voilà. Hop voilà. Bon jeu à tous et good luck. Voilà. Donc on va transformer ça en planche. Voilà. D'accord, c'est rien, ça, y a des fois des petits bugs, ça arrive, tac tac, ouh, des petits bugs sur le serveur, c'est pas cool, voilà, il me faut rapidement, c'est, je vais rapidement me faire, c'est, comment ça s'appelle, merde, il n'y a pas un truc de pierre qu'on voit d'ici directement, non, ça me serait utile, je pouvais avoir de la pierre directement, ah ici. Donc on va éviter de perdre de la vie. Ouh, lag de serveur. Donc j'ai un petit rollback, c'est rien. Ça arrive des fois. Donc on va récupérer le maximum, un petit peu de cobble. Hein. Pas trop parce que de toute façon, ça servirait à rien d'en prendre de trop. Parce qu'après, on va chercher du fer. Et tout ce qu'il nous faut, donc je sais pas combien de temps je vais survivre. J'espère plus longtemps qu'un épisode, ça sera des épisodes d'environ 30 minutes. Donc je vais activer mon chronomètre parce qu'il n'y a pas de chronomètre là. Chronomètre, il est où mon chronomètre? Il est là. Voilà, start. Je pense que ça sera assez de pierres là pour le moment. De toute façon, il nous en faut pas des masses des pierres. De toute façon, après on va en récolter parce qu'on va miner. Pendant la nuit pour éviter d'avoir les mobs à notre cul, voilà, façon de le dire comme ça. Hop, là comme ça au moins je vais me faire rapidement une pomme, magnifique. Magnifique, magnifique, magnifique. Si on a déjà des pommes, c'est cool parce que c'est justement grâce à ça qu'on va survivre le plus longtemps possible. En espérant qu'on n'ait pas un troll qui vienne nous attaquer directement, se faire une pioche aussi. Voilà, et une hache. Oups, je me suis gouré dans la hache. Voilà. Comme ça, au moins, on a tout ce qu'il nous faut. J'ai encore cassé quelques arbres. Ce qui m'embête un peu... Oh, un qui a quitté. C'est pas grave, il va revenir. Ce qui m'embête un petit peu, c'est que... Y a pas... Je vois pas de poulet. Ça peut être assez embêtant. Je vais aller du côté des vaches pour récolter les arbres. Parce que, au moins, j'irai les vaches juste à côté. En même temps au moins on a du cuir pour pouvoir se faire des livres après. Enfin se faire un livre pour notre top d'enchantement. Parce que oui on va se faire une top d'enchantement assez rapidement, du moins j'espère. Avec les levels qu'on aura gagné. Toi viens ici. Moi on est tombé dans un endroit avec des vaches, c'est cool. De la bouffe, de la bouffe, de la bouffe. Hop. Hop. J'espère ne pas devoir piser parce que hier j'ai dû aller aux toilettes en plein milieu de la partie. J'ai eu peur de revenir et que j'étais mort. Mais non ça va, j'étais pas mort en étant revenu. Hop, on va tuer beaucoup de vaches parce qu'il nous faut des steaks. On va éviter d'utiliser notre cuir.
comme une personne bête. Donc là j'ai vu qu'il y avait aussi de la canne à sucre. Donc la canne à sucre ça va nous être utile aussi pour les livres. J'espère avoir autant de pommes qu'hier. Hier j'ai commencé à casser des arbres et j'étais à 7 pommes. Donc j'espère avoir autant de chance aujourd'hui. Et je ne pense pas que j'en aurai autant. Je me dis, je suis en train de filmer, donc je n'aurai pas autant de chance aujourd'hui. Voilà. Tu vas mourir parce que tu vas me donner ton cuir et tout ce qui va avec. Voilà. On va encore casser des arbres parce que plus on aura de bois, au moins on aura de quoi se défendre. Là, ça je vais prendre avec. On va éviter d'en laisser. Là, il y a encore beaucoup de vaches, je vois. Quand on mourit, il faut quitter le serveur. Voilà, donc ça oui, quand on meurt, il faudra quitter le serveur. Donc ça finit ce genre de petite série là PVP, parce que oui, ça fait un petit peu de PVP pendant les vacances au moins. Elle se finira ben, quand je serai mort, quoi. T'es en hardcore, tu préfères venir? Non, non, on est en hard, donc le serveur ne kick pas. Alors, poum. Voilà, j'aimerais bien c'est de trouver des poulets, un petit peu de poulet pour ça, me faire des flèches. Parce que là, franchement, j'en trouve pas un seul. Il faut aussi que je coupe le maximum d'arbres pour pouvoir avoir rapidement des pommes. Voilà. Ou pas courir, pas trop courir, même si je pourrais pour... Parce que j'ai des steaks, mais bon, on n'a pas encore de quoi se les faire chauffer, donc on va éviter de trop courir. Je vois pas de pommes là pour le moment. Du con. Ouais, non, ça c'est rien, c'est dès qu'ils s'amusent entre eux, ça c'est des gens qui se connaissent irréels. Tu voyez, donc faut pas s'inquiéter niveau de ça. Donc je vais essayer de remplir un peu le dialogue, ce qui s'y passe. Donc on va essayer de remplir. Hein. Oh, petit rollback. D'accord. Calmez-vous, quelqu'un filme. C'est même pas vrai, ils doivent pas le savoir. Vous devez pas le savoir. Je vais niquer tout. Ah là 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 là. Ils le font exprès. Ils le font exprès. Bon, je commence à avoir beaucoup de bois, mais pas de pommes. Ça m'embête un peu. Limite, il faudrait que pendant la prochaine journée que je revienne. C'est de l'humour. Ou encore heureux. De toute façon, je sais bien que les pommes, c'est une chance sur 200 ou un truc dans le genre. Donc c'est... Ah, une pomme là. Voilà, deux pommes magnifiques, magnifiques, magnifiques. Au moins, on a déjà quelques petits trucs qui pourra nous être utile. J'aimerais bien encore avoir quelques pommes, même une seule ou deux. Si j'en ai deux, ça serait vraiment parfait, mais voilà quoi. Ça m'étonnerait que j'arrive encore à en avoir deux avant la fin de la journée. Sachant que la journée commence bientôt, va bientôt se coucher, je crois. Attendez, ça fait combien de temps là que je suis en partie? Non, ça va, la journée, elle est où? Le soleil, il est au milieu, magnifique. J'ai cru voir une pomme, non? À moins que j'ai des hallucinations. Là! Magnifique. Et magnifique. 4 pommes. 4 pommes, c'est super. C'est ce qu'il me fallait. Je voulais justement 4 pommes. On va éviter de casser avec ça. On va casser les derniers au cas où il y aura encore une pomme qui tombe. Hein. Voilà. C'est jamais, ça peut toujours être utile. Et dès que je vois que la nuit commence à tomber, on ira s'enfoncer dans le sol. Et surtout, on va éviter de faire la connerie de manger des pommes. Parce que ça serait embêtant. Voilà. On a du steak de toute façon. On a combien de steaks? On en a 25, ouais. On en a largement assez pour le moment. Même pour tout le temps, je crois, en fait. On va encore casser l'arbre là. Voilà, de toute façon, au moins on aura du bois à revendre. Hein. Hop, on va casser le maximum de bois. Ah, par contre, j'ai l'impression que mon son de Minecraft est un peu fort. Attendez. Effectivement, mon son de Minecraft allait un peu fort, mais au moins j'entendrai s'il y a un mob qui arrive derrière ou le mob que je ne veux surtout pas croiser, les squelettes. Et c'est sûrement le mob que je croiserai le plus si c'est à mon habitude. Parce que on avait filmé la dernière fois. Bien, oui, enfin non, j'ai pas filmé la dernière fois justement. Et je suis tombé sur je ne sais pas combien de squelettes qui me spawnaient dessus. Pourtant, il n'y avait pas de spawner à squelettes autour de moi. Je vais récupérer ma table de craft pour pas montrer que j'étais là. Enfin, pour éviter de montrer ma trace, et voilà. Et je vais partir à la recherche de quelques poulets. Parce que là, de toute façon, j'ai ce qu'il me faut. J'ai des pommes, j'ai quelques petits trucs. On va encore casser ici
les plantations en espérant avoir une petite pomme qui pourrait nous être en bas. Même si on en a que 5, c'est super déjà. Parce qu'il faut aussi trouver l'or pour les crafter les pommes. Donc je suis le seul. Je vois même pas tes points de vie. Voilà, je vois même pas ses points de vie. C'est peut-être un petit bug. Hein, non, le système doit être bugué. Ok. Ok, le système a un petit bug. Je sais pas pourquoi. La dernière fois, ça avait bien allé, donc je sais pas. Dommage, dommage, dommage. De toute façon, on verra bien du au déco reco, je suppose. Possible. Il faut me remettre à 10. Non, mais justement, il faut te remettre à 10, malin. Si on te remet à 10, ça voudrait dire qu'on t'a remis un demi point de vie. Et ça serait un peu de l'anti-jeu pour nous qui... Si problème non résolu, dans 10 minutes, je relance le serveur. Ok, tant qu'il nous redémarre pas tout, dans ce cas, mange une pomme d'or. Ça, c'est vrai. Alors, du poulet. Je fais gaffe parce que... Ouh, j'ai l'impression que la nuit, elle commence à arriver. C'est pas grave, j'annonce mon score. Ouais, Adramer a aussi ça. Ouh, je suis trop près du... Je suis tout près du verre. Là-bas, putain, y a pas un seul... Ah non! T'es sérieux? Bon, bah, on va s'enfoncer. Oui, bah, le fait pas. C'est vrai, il faut pas se déconnecter, alors... on va s'enfoncer sous terre, hein. On n'a pas trop... Ah, mais ils le font tous, sérieusement. Tout le monde déco reco. C'est pas malin. Plus personne sait la vie de l'autre. Alors, je vais juste m'enfoncer avant. Voilà. Comme ça, plus personne de désavantagé. Attendez. C'est un peu embêtant, c'est dommage. C'est dommage parce que justement c'est ça que j'aimais bien. Dommage, j'aimais bien voir les points de vie des autres. C'est dommage, j'aimais bien voir les points de vie des autres. Ce qui est vrai, c'est plus fun quand on voit les points de vie des autres que quand on les voit pas. Mais bon. Au limite, s'il redémarre le serveur normalement, bah... Alors, au moins on les verra peut-être s'il le redémarre. Oui, mais bon, c'est la surprise. Ouais, mais c'est pas... C'est pas fun alors, c'est moins... C'est moins marrant alors. C'est moins marrant... Ouais, il va relancer, c'est cool alors. Voilà. Ok. Je vais pas bouger. Voilà, je reste ici, je ne bouge plus. Donc il va relancer le serveur. Donc là, si le serveur lag un petit peu, ça sera normal. Il faudrait vraiment que je commence à faire de la bouffe en passant. Ne vous inquiétez pas, c'est sauvegardé. Ok. Je vais juste poser une table de craft et me faire rapidement ma furnace pour chauffer un petit peu ça avec... c'est le bois là? Oui, c'est le bois là, donc hop. Voilà, au moins notre bois va chauffer un petit peu et on va continuer. Donc le serveur va redémarrer. Hein, pas vous inquiéter pour ça. Moi je fais juste chauffer ma nourriture. Bien écouter les bruits autour, parce que la dernière fois on était sur Skype et alors les bruits on les entendait pas énormément. On n'entendait pas vraiment les monstres quand ils arrivaient ou des trucs comme ça. Enfin, planquez-vous si vous ne l'êtes pas. C'est fait. Parce que en plus c'est la nuit, donc ça m'énerve, ça m'embête un peu, j'ai pas trouvé de poulet. La dernière fois j'étais tombé sur un spawn où j'avais tout ce qu'il me fallait comme viande. Arrêt du serveur dans 10 secondes, sauvegarde. Ok, on va remonter alors. Je vais un peu bloquer là pour éviter au cas où il y aurait un mob qui spawn. Voilà. Serveur fermé, il va redémarrer tout de suite. Donc oui, on a le serveur d'Aznet et le serveur de Hypixel. Donc voilà, le serveur a redémarré. Oh. Wow. What the... Ouf, putain, j'ai eu peur là, je me suis dit, ah non. Ah, super. Merci. Voilà. Comme ça, au moins, on voit la vie de tout le monde. 9, y a plus, on n'est plus qu'à 3 et être à 10. Donc, hop, au moins, là, j'ai des steaks. J'ai quand même mangé. Je pense à ça. Je pourrais même me faire... Bah, attendez, on va enlever ça et se faire un petit peu de charcoal.
call avec ceci, je crois que ça se fait. Non, c'est dans le sens inverse. Ah non, non, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ok, on va se faire un petit peu de charcoal pour pouvoir se faire des torches facilement. Donc, en espérant qu'il n'y a pas de mobs qui spawnent derrière moi ici, ça serait vraiment pas cool. Merde, pourquoi je l'ai cassé celui-là? J'entends de la lave. Ça veut dire, pas loin d'ici, on est pas loin d'une mine. Et on est déjà au quel étage en fait? Étage 42, donc on ne va pas trouver de l'or là. Faudrait vraiment que je trouve rapidement une... du fer ou quoi que ce soit. Là je trouve rien du tout, je suis en train de descendre mais rien du tout, rien du tout, je sais rien du tout que je trouve, hein. On va remonter, on va aller se faire nos torches parce que j'ai pas confiance quand c'est comme ça. J'ai toujours l'impression qu'il y a un mob qui va spawn dans mon dos ou des trucs comme ça. Hop, voilà, on se fait, voilà. Et j'ai pas trop compris là ce qui s'est passé. D'accord. C'est rien, c'est des petits lags de serveur. Hop, hop. Je vais prendre toutes les charcoal qui sont là. Parce que là, c'est pas du coal, donc du charbon normal. C'est du charbon de bois en fait. Donc ça fait du charcoal. Alors, on descend, hein. Je vous avoue que ça me stresse un petit peu. Enfin là, ça va, je suis encore zen parce que j'ai pas, je suis pas à un endroit où il y a des mobs. Il y a de la lave vraiment pas loin là. Je me demande où. J'ai l'impression que ça vient de par là, la lave. Un drummer qui vient juste de rejoindre, ok. Je sais pas, mais j'entends de la lave vraiment pas loin. Hein. Ah, du charbon! Magnifique, c'est ce que je voulais déjà, ça me fait déjà un petit truc. Je regarde les points de vie des gens, je suis curieux quand même. Ok, encore. Kéber qui a 10, moi, High Bloody et Adramer. Donc on est encore à 4 à être à 10. C'est magnifique. Moi, je me demande s'il y a une personne qui va mourir d'un monstre bêtement ou un petit truc comme ça. Ça se trouve, je dis ça et c'est moi le premier à mourir. Parce que la dernière fois, j'avais dit qui sera le premier à mourir et j'ai commencé à avoir plein, plein, plein d'archers, plein de squelettes sur ma gueule. Donc c'était vraiment pas cool pour moi ça. Je suis éloigné de la lave, mais je trouve vraiment pas. Je suis en train de descendre là et on trouve pas une seule mine. Okay, on va remonter parce que je suis quasiment sûr que la lave elle doit être ici quelque part. Oui, elle est là. Ok. 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 Donc il y a du fer là. C'est une bonne nouvelle. Ça va être un peu risqué d'aller le prendre. On va faire gaffe, hein. On va le prendre mais on va faire attention en même temps. Hop, je vais rééclairer là. Aller prendre ce charbon. Me refaire une pioche ici. Tac, tac, une pioche en pierre. Parce que j'ai vu qu'il y avait quelque chose qui m'intéressait. Fameusement. De toute façon, ça, je vais reprendre avec moi. Je vais le descendre avec moi parce que faut pas le laisser trop haut. Je vais simplement éclairer là pour éviter le spawn de mob. Bombe de noob. Le salopard. Le salopard, il dit bande de nous parce qu'ils ont perdu déjà des points. Ils ont perdu rapidement des points de vie. Mais ça peut être dû à une petite chute. Non, Oxy non plus. Nananer. Hop. Je fais attention. Dégâts de chute à la con. Et ouais. Bah y en a deux qui gèrent. Ouais, c'est nous. On gère, on gère, on gère, on gère la fougère à la grand-mère de... moi, je suis à 10. High Bloody. Ah ouais, il est à 10 aussi. Il a déjà trouvé une pomme d'or? 3. Ah ouais. Donc ouais, apparemment... Je sais pas... Non, il me semblait qu'il est... Je sais pas, il me semblait qu'il était à 9. Beuh. On va éviter d'avoir aussi ces... Je sais pas si ça sert à quelque chose. Non, ça sert à rien que je continue par là. Donc on va miner par là. Et on va descendre. Quand même risqué là ce que je fais parce que... Il y aurait de la lave là. Lave là. Lave là qui? Lave là là. Oh putain. En plus le truc que je viens de dire ne veut rien. Mais alors rien dire du tout. Ça fait déjà plus de 15 minutes qu'on est en train de... Clavier en AERTY. En AZERTY. Wow, c'est pas handicapé un clavier en AZERTY. Moi je joue en AZERTY et enfin je joue en QWERTY du moins.
Enfin non, je joue en AZERTY, mais je joue avec la touche W pour avancer. Beaucoup de gens qui préfèrent jouer avec la touche Z pour avancer, comme dans beaucoup de jeux, mais pff, moi je sais pas, je préfère jouer avec le clavier normal. Enfin, je reste avec les touches normales de Minecraft parce que j'ai beaucoup de jeux où ils se jouent comme ça. Donc je me perturbe pas. On a déjà un petit peu de fer au moins. On a de quoi se faire. Bah, pas grand chose. je suis en train de descendre mais je trouve pas de grotte. Hein. On est déjà à la couche 18. Hein. On trouve vraiment rien là. Pas possible de trouver vraiment une seule petite mine. J'entends même pas une chauve-souris, donc pour dire les bruits, j'écoute mais j'entends même pas un squelette ou quoi que ce soit, ça m'embête un petit peu. Ok. On va tourner, hein. Autant tourner. Bon, on est à la couche 11, bah, autant continuer tout droit alors. Parce qu'au moins, on est à la bonne couche pour trouver des diamants ou des trucs comme ça. Comme ça, si on trouve des diamants, ce serait quand même le comble, ça, trouver du diamant avant de trouver du fer, avant de trouver pas mal de fer. Mais ça serait marrant aussi. En plus, je sais pas vraiment par où je me dirige. Donc, faut savoir qu'on là, on est sur une carte de 1000 x 1000 pour 8 joueurs. Donc, ça va de plus 1000 à moins 1000. Donc, c'est assez grand. Hein. Pas se dire comme ça que c'est très petit, c'est très très grand quand même. Bordel, ça m'embête de pas trouver de fer. Ah là là. C'est assez embêtant de vraiment pas trouver de fer. Hop, j'éclaire mais pas. Ok, c'est moi qui a switché sans le vouloir. Je me dis bah bordel, bah, ma pioche s'est transformée. Mais non, c'est moi qui a des hallucinations. Et après, on va s'amuser aussi à leur faire un peu peur après avec des. Oh mon Dieu, une grotte avec des torches. Ou des trucs comme ça pour leur faire un peu peur. Ce serait un peu marrant. Attendez, j'arrive. Voilà, désolé. Ma mère qui m'appelle pour que je descende en bas. Enfin, vous allez me dire, je vais pas descendre en haut. Parce que je vais devoir descendre en fait. Parce que je filme en haut là pour éviter d'avoir du bruit. Donc je vais attendre qu'elle monte pour pouvoir descendre quoi, parce que sinon vous allez avoir le bruit de la télé et tout qui fonctionne encore et c'est assez emmerdant, je vais vous l'avouer. En plus ma mère qui prend très son temps aussi pour descendre, enfin, pour monter, tout ce truc comme ça, donc ça serait pendant je sais pas combien de temps je vous parlerai pas. Donc ça pourrait être assez handicapant. Faire une petite pelle en stone. Hop. Voilà, on va essayer d'avoir quelques flints. Hein. Avec l'appel parce que oui il faut savoir tous ceux qui vont me dire comme ça oui mais pourquoi tu n'utilises pas la technique avec la torche en dessous pour aller plus vite parce qu'en fait quand vous voulez du flint si vous faites ça avec la torche en dessous en fait vous n'allez pas récupérer le flint vous allez récupérer le bloc en lui-même mais jamais vous allez récupérer du flint et j'en ai même pas récupéré un c'est pour vous dire la chance que j'ai qui n'est vraiment pas magnifique hop je vais descendre. Enfin, je vais descendre, donc je vais devoir couper 2 minutes l'enregistrement en espérant que personne ne me trouve entre ça. Donc on se retrouve tout de suite après. De toute façon, je ne vais rien faire entre tout ceci. Je vais juste mettre un truc sur ma touche Shift pour rester accroupi. Et on se retrouve tout de suite. Donc à tout de suite. Donc me revoilà, désolé, j'ai pas su refilmer tout de suite, donc j'ai un petit peu avancé. Et regardez ce que j'ai trouvé, j'ai vraiment avancé peut-être de 30 cm et j'ai trouvé du diamant. Je l'avais dit, hein, que j'allais trouver du diamant. Avance. C'est bon, c'est bon, c'est bon. J'ai déjà filmé un peu et là je recommence. Donc toujours pas de mine, hein, ça m'embête beaucoup. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Hop. Donc voilà, on va faire chauffer ça. Bon, quel abruti, il s'est barré. Bon bah voilà, bonne nuit. C'était sérieux, non, il est pas parti dormir, il est pas parti dormir quand même. Non, quand même pas. Il a pas fait ça. Navy sweatshirt. Attendez, mais...
Lol. Ça marche jamais ce machin. Non, je déconne. Alors, j'espère que j'ai bien réactivé. Oui, j'ai réactivé mon micro, donc j'espère que le chien va pas faire de bruit. Oh, si, il commence à faire du bruit, magnifique. Boss slain by Ender Dragon. Oui, c'est ça, tout à fait. Je vais pas leur dire mon jeu parce que sinon ils vont rage avec toutes les pommes que j'ai. Mais le problème c'est que je trouve pas de mine et il me faudrait vraiment une mine. Et j'entends rien du tout qui pourrait montrer qu'il y a une mine autour. Ah là il y a encore du diamant, magnifique. 3 diamants. Est-ce qu'il y en a encore autour? On va miner autour, on sait jamais. Des fois il y en a caché. 3 diamants, ça va permettre de nous faire une pioche. Donc c'est super. On va éviter de... Putain moi je fais encore, je dis encore, on va éviter de faire une connerie. Qu'est-ce que je fais? Je mine au-dessus de moi. Ça m'embête de pas trouver une mine. Pourtant on n'est pas à une couche où ce que c'est chaud de trouver une mine quoi. Et quoi, les mines en fait elles ont disparu de la map, c'est ça? Hop, 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 hop. Voilà. Attendez. Un Dreamer was shot by Skeleton. Ok, en vrai il s'est fait tuer. Je l'ai même pas vu quoi. De remarquer que Dreamer s'était fait tuer. Le mec quoi. Oh là là, je suis pas sérieux moi. J'ai cru entendre un bruit. Ah là là. J'ai cru entendre la... Ah enfin. Un peu de fer. Au moins vous pouvoir s'équiper un petit peu. Mais le problème c'est que j'ai pris pas mal de retard à cause de... À cause de ma mère qui ne voulait pas monter. Ça m'a fait prendre beaucoup de retard. D'accord. Un filon de 1. Ah non, un filon de 2. On va essayer de retrouver une mine parce que franchement là c'est pas... C'est pas l'adéquat pour savoir miner tranquillement. Pas de mine, rien du tout. Ok, j'ai du fer. Donc on va se barrer de là. Enfin on va remonter. En plus la journée Itani was slain. Déjà GG. Ok, il se fight déjà. Ça commence déjà. J'ai envie de dire, ça risque d'être chaud. S'ils se battent déjà, ça veut dire qu'ils sont déjà pas mal avancés. Merde! Je suis contre la vitre. Tu m'étonnes que je trouve pas de mine. On va retourner par là alors. Hein. Parce que je trouve pas de mine. C'est assez embêtant. Hop, 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 hop. On va se faire notre épée alors parce que c'est vraiment pas cool. Si je vois déjà en plus qu'il se fight déjà, en plus voilà je commence à stresser, je vois qu'il se fight, je me dis non, ça risque de tomber sur moi en plus. Hop, j'ai mon épée plus puissante maintenant. Voilà, récupérer ça et récupérer ça. On va rester en sneak parce que on est quand même en 1000 fois 1000 mais pour 8 joueurs, donc c'est pas si grand que ça quand même quand on y réfléchit. Pour 8 joueurs c'est quand même pas beaucoup, hein. On peut se croiser très facilement. Enfin là je suis enfoncé bien profond en sous-terre donc... C'est pas trop un problème, c'est pas ça. Yes, du fer. C'est ce qu'il me faut en plus. Il me faut du fer pour savoir me faire mon armure. Mais sans fer, on ne sait rien faire. Donc voilà, c'est pour ça que je prends... Il me faut du fer. Parce que sans fer, pas de diamant. Et sans diamant, pas de table d'enchantement. Parce que maintenant, il me faut encore 2 diamants. Pour savoir me faire ma table d'enchantement. Et après, ça sera parfait. Hein, je devrais peut-être creuser ça, mais avec une pelle. Ce serait peut-être plus utile. Hein. Je trouve vraiment pas de mine, hein. Depuis tantôt je suis en train de miner comme ça mais aucune mine. J'essaie de rester le maximum en sneak parce que j'ai pas... Ah encore du fer. Voilà, maintenant on en trouve du fer. Avant on en trouvait pas du tout et maintenant là on commence à en trouver. Tant mieux. Parce que sinon ça le faisait vraiment pas. Alors en plus on a récupéré combien de fer là? 12 fer, c'est cool. Il nous en faut encore quelques-uns pour savoir nous faire notre armure. Faudra aussi qu'on en trouve assez pour se faire... comment ça s'appelle? Une... merde, j'ai perdu le nom du machin. Ça s'appelle comment encore? Une... allez, comme les... Une forge, comment ça s'appelle? J'ai perdu le nom.
Ah bordel, il y a des blocs qui bug, je sais pas si c'est moi qui bug ou si c'est le serveur. Ok, là, du charbon, on va toujours prendre le charbon, ça peut toujours être utile, sachant que j'en ai pas des masses et qu'on va en avoir besoin pour savoir se faire nos torches. Et en plus on a du fer, donc... Et là on a de l'iron, c'est encore... Enfin on a de la redstone plutôt, pas de l'iron. Au moins on a les levels qui montent maintenant. C'est le petit truc qui m'inquiétait aussi, j'avais pas le level, quasi, j'avais pas beaucoup de level. Donc ça m'embêtait un petit peu. Non mais Bloody, il a tué quelqu'un mais il a pas perdu un seul point de vie, c'est ça qui me perturbe. Ah, qu'il s'était peut-être mis d'accord. Je sais pas. Non, quand même pas, je pense pas qu'il y ait des gens qui se font comme ça. Ouais, on va se mettre d'accord, je vais te tuer et voilà quoi. Ça serait un peu, je sais pas. Moi que le mec était sur le point d'aller dormir et qu'ils se connaissent et voilà quoi. Enfin dormir, il est à peine... Il est à peine 21h j'ai envie de dire. Combien de temps ça fait que je filme là? Je vais bientôt devoir arrêter pour le premier épisode. Oups, j'ai cassé la torche. Évitez de faire des conneries. Bloody was slain by Raintox. Sérieux? Raintox. GG. Putain. Ça va vite. Ça va vite. Mais j'espère qu'il n'y en a pas un qui utilise X-Ray ou des trucs comme ça. Parce que ça serait un truc que j'apprécierais vraiment pas trop de leur part. Ça serait toujours ça que j'ai peur quand c'est pas officiel avec des trucs, des vraies communautés et tout. J'ai toujours un peu peur de ça en fait, que les gens utilisent un X-Ray ou voilà des trucs comme ça quoi. Parce que ça, il y en a beaucoup qui disent. Et c'est vraiment pas cool. Voilà, 5-5. Il y a de l'orage, hein. Il y a de l'orage, il y a de l'orage. Tac, et encore 3. Merde. Encore 3 justement. Ok, j'ai eu peur, j'ai cru qu'il y avait une araignée, mais non, c'est qu'une mouche. Ah oui, d'accord. Mais j'ai un peu peur quand même, là, de ce mec, la Raytox. Il a quand même presque rien perdu de sa vie, c'est ça qui m'étonne un peu aussi. Il a rien perdu de sa vie. Et il a l'air vraiment pas mal en PVP, hein. Je pense que ça va déjà être la fin de notre premier épisode. Oui, ça va très 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 vite. Donc j'espère quand même que l'épisode vous aura plu et on se dit à tout de suite, enfin moi ça tout de suite et vous ça sera au prochain épisode. Donc nous revoilà de nouveau dans cette émission. Je sais pas comment, j'ai pas encore trouvé de nom, je sais pas comment je vais l'appeler. Ah bah non, j'ai du bois encore là. Hop hop. J'ai eu l'impression d'entendre un truc cassé au-dessus de moi. C'est peut-être mon imagination. Ok, va falloir se faire une nouvelle pioche. Et avec le reste, bah, on se fera, vous savez bien quoi, hein. Avec le reste, on se fera tout ce qu'il nous faut niveau armure. Mais en tout cas, là, au moins, on est un petit peu armé. Mais toujours pas de grotte depuis tantôt. Ça me perturbe. C'est pas normal, quoi. C'est pas normal. Pas de grotte, donc pas d'archers, donc pas de zombies. Ok, ça, c'est un bon point positif. Mais d'un côté, pas de grotte, ça veut dire pas de lave, donc pas d'obsidienne. C'est un peu embêtant. Ça m'embête vraiment ça. Après, déjà quasiment... Ça fait beaucoup de minage quand même, j'espère que ça va pas vous sembler trop long. Mais là franchement, si le mec il me trouve comme ça, là je penserais à du X-Ray, là ça serait un peu bizarre. Mais bon. Je ne sais pas. J'espère juste que les gens ne se jouent pas comme ça dans ce serveur. Hein. Je sais vraiment pas. Le milieu c'est 0-0. Je suis pas trop loin du milieu, j'ai l'impression. Ah non, mais 1000 fois 1000, qu'est-ce que je raconte? Moi c'est 1000 fois 1000, c'est 500 sur 500. Oh là là, oxy. Mais on est beaucoup donc. Enfin, on n'est pas beaucoup. On n'est plus beaucoup déjà là. On a déjà quelques-uns qui sont morts. Voilà, ce que je voulais dire avec la cobble, c'est que voilà, on a déjà quasiment tout. On a déjà récupéré beaucoup de cobble. Il y a de l'orage dehors. Il est où mon fer? Il est là. On va commencer un petit peu notre armure, comme ça au moins. Au moins comme ça, on pourra déjà mieux se défendre que si on n'a rien. Voilà. Tac, 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 tac. Mais je crois que c'est une personne qui a rush pour aller tuer les gens, ça, sûrement.
C'est sûrement ça, hein. Je vois que ça de toute façon. Mais bon. Moi, je préfère faire attention, surtout que j'ai pas d'or, donc j'aimerais bien avoir au minimum une pointe d'or avant de me battre. Et je ne trouve pas d'or, pas de grotte, presque pas de diamant, j'en ai trouvé 3. Il m'en faudrait encore. J'ai trouvé les pommes, oui, c'est pas ça. Ça, c'est le truc qui m'embête un peu. Enfin, vous allez me dire, il y a beaucoup de trucs là qui m'embêtent, mais bon, c'est. Oh non! Pitié, ça m'embête quand il y a des petits bugs comme ça sur les serveurs, c'est très 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 chiant. Voilà. J'ai pas confiance parce que si le mec il est vraiment pas loin de moi, ouais je zigzague un petit peu parce que je ne trouve pas de mine et ça me perturbe. J'aimerais bien que je sorte un peu mais pour trouver vraiment une entrée de mine. Mais voilà quoi, là il pleut donc ça veut dire que les mobs n'ont pas des spawns. Je vais pas creuser là-dedans. Enfin, quoi que ça pourrait être une bonne idée de creuser là-dedans parce que souvent les mines sont cachées derrière ça. Ah, attendez. Il a l'air d'avoir une mine là à cause de bug du bloc, magnifique. Justement quand il le faut. Donc hop, on va aller par là. Puisqu'il a l'air d'avoir une mine. Une mine! Moi je vous dis, il y a une mine là-bas. Magnifique. S'il y a une mine, franchement, ça serait vraiment magnifique. Parce que franchement, j'ai rien trouvé. Hein. Continuons. Mettons des torches surtout. Parce que j'ai pas envie d'avoir des mobs dans mon dos. Qui spawnent dans ce couloir. Hop. Voilà, on arrive tout près. On y arrive, on y arrive. Je reste en sneak. Hein, on y arrive, on y arrive. J'entends la lave vraiment fort. J'entends de l'eau aussi. Ah, si on pourrait avoir un seau d'eau en plus, ça serait vraiment cool. Level 10, c'est cool. Ah non, tu vas pas me dire que c'est encore un truc de love. Putain, on dirait encore un truc de love. Ah, j'ai encore l'impression que c'est un truc de love complet en fait. Moi, nous ne sommes pas morts dans le premier épisode. C'est déjà ça de gagner. Putain, on dirait encore un truc de love, hein. Ouais, putain, c'est encore un truc de lave. Bordel, pas possible de trouver une mine dans dans cette map là pour le moment. What? C'est quoi ce bug là? Non, 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 non. What the fuck the bug? J'étais en sneak? J'étais en sneak? J'étais en sneak. Bon bah voilà. Bah j'aurais pas duré longtemps hein, franchement. C'est dommage. Ça a glissé. J'ai pas trop compris le pourquoi. J'ai posé un bloc, j'étais en sneak et j'ai mon personnage a glissé. Bon bah voilà. Bonne chance à vous. Bonne chance à vous. Allez, à plus tard.